trois façons de complimenter un homme qui font mouche. Bzzz, j'ai pas pu m'empêcher de faire cette blague. Trois façons de complimenter un homme qui vont vraiment faire bing, bam, boum dans son cœur. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de trois manières de complimenter un homme qui vont faire vraiment la différence par rapport aux autres femmes. On se retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première manière de complimenter un homme, c'est de le complimenter sur son style. Alors j'imagine qu'en tant que femme, vous êtes bien placée pour comprendre ça. Vous prenez sans doute souvent du temps pour choisir quelle robe vous allez mettre, quelle chaussure vous allez mettre, quel sac vous allez prendre. L'homme aussi, il peut mettre de la valeur sur son style. Alors bien sûr, ne le complimentez pas s'il vient avec un t-shirt dégueulasse et troué. Mais si le mec, il a pris du temps pour mettre sa plus jolie montre, sa plus jolie chemise, etc. pour vous, n'hésitez pas à le complimenter là-dessus, il se sentira beau, il sentira ses efforts récompensés et c'est comme ça qu'il continuera à en faire pour vous, à continuer à se faire beau pour vous, etc. Donc n'hésitez pas à complimenter un homme sur son style. En plus, son style, c'est quelque chose qu'il a choisi. Si vous le complimentez sur ses yeux ou sur son sourire, bon, c'est bien, mais c'est ce que la nature lui a donné, il ne fait pas d'effort pour. Même s'il s'habille sale, il aura toujours un beau sourire et des beaux yeux. Tu vois, donc si vous voulez vraiment faire ça bien, complimentez-le sur quelque chose qu'il a choisi. C'est-à-dire, par exemple, ses habits, son style, son rire, enfin quelque chose qu'il maîtrise, quoi, qui a un impact sur lui. Beaucoup de femmes, elles ont peur, en fait, de complimenter un homme parce qu'elles se disent « Ouais, les hommes, déjà qu'ils se la pètent, si en plus je les complimente, ils vont encore plus se la péter. » Non, il va tomber sur votre charme si vous le complimentez. Le mec, il se la pète, mais c'est une façade. Il y a très peu d'hommes qui ont vraiment à mort confiance en eux. Au contraire, si vous jouez le mystère, je le complimente pas machin, le mec il va se dire qu'il a aucune chance avec vous. Puis si vous voulez être complimenté vous aussi, faut bien donner pour recevoir, tu vois. Donc arrêtez d'avoir peur de complimenter un homme. Moi aussi au début j'avais peur de complimenter une femme, mais c'est vrai que ça fait plaisir à tout le monde, ça fait avancer la relation dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à complimenter un homme. Deuxième manière de bien complimenter un homme, c'est sur ce que j'appelle les qualités cachées. Les qualités cachées, c'est quoi? Ben, mettons que le mec il fasse de la guitare sur la plage en été et en hiver au coin du feu de cheminée, bon, toutes les meufs vont lui dire « Ah, tu joues trop bien de la guitare hein. !» Et en fait, ça, c'est pas une qualité cachée, c'est une qualité. La qualité cachée, c'est « Waouh, ça a dû être trop dur d'apprendre à jouer de la guitare comme ça, t'as fait en autodidacte. Waouh, j'admire la persévérance chez toi, j'admire le courage qu'il a fallu. » Enfin, voilà, tu trouves la qualité cachée derrière le fait. Tu vois pas, comme toutes les greluches, complimenter le fait qu'il joue de la guitare, ce qui serait déjà bien en fait. Mais tu vas faire encore mieux que ça, tu vas complimenter la qualité cachée qu'il y a derrière. Et cette qualité cachée, c'est la persévérance, le courage, l'habileté, peu importe ce que tu vas trouver, mais qui va être en fait derrière, tu vois. Et on va le lui dire moins souvent, la discipline que ça a demandé, etc. Et c'est parce qu'on va le lui dire moins souvent que ça va vraiment faire mouche. Troisième type de compliment, les amis, c'est le complimenter sur sa masculinité. Alors, on est dans une société où il ne faudrait plus avoir de masculinité, on voudrait que les hommes soient des hommes vagins et que les femmes dominent les hommes et les écrasent. Et voilà, comme si être un homme, c'était mal. Et je rêve pas quand je dis ça, c'est la vérité. Et les amis, en fait, j'exagère peut-être à peine, mais c'est la vérité au fond. Et donc, en fait, les amis, beaucoup de femmes oublient de complimenter un homme sur sa force, sur sa protection, sur sa virilité, sur… Voilà. Après, elles veulent des hommes et en même temps, elles n'encouragent pas les hommes à être des hommes, tu vois. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être différente et d'oser complimenter un homme sur sa masculinité. C'est pas qu'il va se sentir supérieur à vous et être méchant. C'est que vous allez le faire sentir homme. Vous allez le faire sentir bien. Et c'est comme ça qu'il va être accro à vous. Complimentez-le sur ses talents de bricoleur, sur ses gros bras, sur comment vous sentez protégé avec lui, sur, je sais pas, son courage, enfin sur des qualités d'homme. Je ne dis pas qu'une femme ne peut pas être courageuse, ce n'est pas ce que je dis. Je dis complimentez-le sur ses qualités d'homme
alpha, viril, etc. Ça fera pas de lui un connard, ça le fera sentir bien. Il sera ni plus ni moins un connard, mais il va sentir bien avec vous. Et donc, en fait, il sera dépendant d'être avec vous pour être bien. Vous le ferez sentir bien. C'est comme ça qu'il sera encore plus fou de vous, les amis. Voilà pour ces trois manières de complimenter un homme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.